Depuis les tout vieux temps, depuis aussi loin qu'on existe, depuis les Romains et depuis les moines, les vieux temps et les tout vieux temps, c'est encore plein de leur ouvrage. Et regardez-moi ces murs, regardez-moi seulement ces murs, si loin que l'œil porte, si loin qu'on tire avec le regard en haut et en bas, à droite et à gauche. Combien ça en fait-il? Parce qu'il a fallu, sans quoi la terre serait venue en bas. Depuis les vieux temps, depuis tout là-bas dans le temps, d'année en année, les Romains, les moines, les gens à robe, les gens à pantalon, et puis des autres, et encore des autres, et puis nos arrière-grands-pères, et puis nos grands-pères, et puis nos pères, et puis nous. C'est quand même plus mince que l'autre, hein. Mais c'est très fruité, c'est très floral. Oui, hein. Il éclate dans la bouche, c'est un petit peu plus court. Ça, quand il fait bien chaud sous la tonnelle. Alors, M. Dubout, vous êtes né quand? Le 4 octobre 1911. Et vous avez vécu votre jeunesse ici à Riez? Toujours à Riez, jusqu'à présent. Mon père était vigneron, puis il faisait un coup pépiniériste. Il avait tout un grand terrain un peu près de la ligne chemin de fer à Cuyé, où il avait un grand écriteau pépiniériste. Ça, c'est les bouteilles de l'année de naissance à Jacques. Elles sont ici derrière. C'est les 8 hôtes 2. Il y a celle de Nadia, les 8 hôtes 6. Et puis, on a les 8-8 ici, c'est celle de Jean. Qu'est-ce qu'ils ont là? Ça, c'est de la vodka. Ça, c'est la réserve à mes enfants. Hein? Le bon Dieu a commencé. Nous, on est venus ensuite et on a fini. Le bon Dieu a fait la pente, mais nous, on a fait qu'elle serve, on a fait qu'elle tienne, on a fait qu'elle dure. Et ce n'est plus du naturel, c'est du fabriqué. C'est nous, c'est fabriqué par nous. Ça ne tient que grâce à nous. Ce n'est plus une pente, c'est une construction, c'est une tour, c'est un devant de forteresse. Il faut que la vigne est gelée, il faut qu'on ait déjà eu des températures minimum, des températures en dessous de zéro. Et puis après, il ne faudrait pas tailler si la température remonte trop. En dessous de 8-10 degrés, on a déjà une mise en sève de la vigne. On risque d'avoir des bourgeons qui commencent à gonfler. Alors pour éviter qu'il y ait un déclenchement de la croissance, Il faudrait attendre, et puis à ce moment-là, on peut retailler d'une façon normale quand il revient du froid. On a déjà le bois qui part dans la bonne direction. On peut la tailler à la bonne longueur. Je nettoie juste les fourchettes. Ça, c'est le bois que je vais garder. Là, ça fait une grosse taille, ainsi. Ici, hop, là, je peux rajeunir. Alors, je vais couper là. Il faut tailler la vigne à partir du mois de novembre, décembre. Et puis après, il faut palisser. Ça, c'est un travail supplémentaire. Une fois qu'on a taillé, il faut rattacher toutes les branches sur les fils de fer. Et après, la plane, c'est la même chose. Il faut sélectionner ce qu'on va garder, ce qu'on va conserver sur la souche. Et puis après, tous les travaux, les effeuilles, ça se passe de la même façon. Simplement qu'il y a un peu moins de travail aux effeuilles parce qu'on n'a plus besoin d'attacher comme autrefois la gobelet. La gobelet, il fallait ramener tous les sarments sur l'échalas et puis les attacher, alors que maintenant, il suffit pratiquement de mettre dans les fils de fer. La culture a évolué. Maintenant, l'herbe, on la laisse, voilà, la différence. Puis il y a moins d'érosion sur le sol. Quand on était dans la vigne du temps de mon père, on devait porter la terre à la haute,
On a porté des terres. C'était pas drôle, ça, hein? Donc, il devait labourer en automne pour ouvrir la terre. Ouvrir comme ça, puis la terre. Et puis, ensuite, au printemps, on refermait, mais avant de refermer, on mettait l'engrais dans les sillons. Et puis, on gardait pendant toute l'année la vigne sans herbe. Alors, les travaux, bien évidemment, maintenant, on n'a plus besoin de labourer. Mais par contre, l'herbe qu'il y a dans les vignes, il faut la faucher. Donc, ça signifie que suivant l'année, si c'est une année pluvieuse, il faut aller beaucoup plus souvent que si c'est une année sèche. À l'époque, vous procédiez comment? Il y avait du monde qui venait? On avait des effeuilleuses qui venaient, oui. On avait des valaisannes, nous, qui venaient. Les désérables. Puis après, on a eu, alors après la guerre, on a eu encore les Savoyards, on a eu des Italiennes. Et puis maintenant, c'est les Savoyards qui viennent d'en face, de Bernay. Est-ce que vous les logez, ces gens? Ah, il faut les loger, oui, obligé. Avant que je reprenne le domaine, on avait comme employé un Espagnol. Et une fois, on l'a retrouvé, il était assis sur le bord de la fenêtre, en train de pleurer, justement, près d'un dortoir. D'accord. Oui, tu te rappelles pas, après Mario. Tu avais engagé un Espagnol, ouais. Une année. Ben, alors, il pleurait parce que c'est un travail que ce sont les femmes qui font en Espagne. Alors, il était atteint dans sa fierté. Moi, je ne peux pas ça. Ah oui, alors. Ouais, ouais. Il était assis sur le bord de la fenêtre avec une bière à la main. Et il était à moitié sourd parce qu'il ne supportait pas. C'est con, mais alors, je n'ai jamais su. Ouais. Ouais. Dans l'année, on fait entre 6 à 7 traitements par année. On fait à la feuille, après on fait encore 2 traitements à la grappe, oui. Un petit peu rupture, et le verre de la grappe, et après c'est bon. D'accord. C'est 6 à 7 traitements. Ça dépend comme la vigne pousse, et s'il n'y a pas beaucoup de maladies non plus. Parce que s'il y a des maladies sur la vigne, bon, on fait toujours 1 ou 2 traitements de plus. Dans le temps, quand on sulfatait, il n'y avait pas de machine. Et puis alors, question de sulfatage, eh bien, on avait des bois hiver Morel qu'il fallait pomper. Et seulement, on n'avait pas l'eau dans les vignes facilement non plus, au début. Alors, on avait des gros transports à faire avec des bois à sulfater qui font certains poids quand même. On avait des poids 200 mètres à monter, revenir, monter, descendre, monter. C'était plus pénible qu'à présent. Hein. On en a plein les oreilles, plein les yeux. On tousse bleu, on mouche bleu, on pisse bleu. Tant pis, parce que le mildiou à présent peut venir s'il veut. On a de quoi le recevoir. En 73, on a eu la grêle qui est arrivée pendant les vendanges. Alors ça, c'était rare. On a eu à peu près un demi-hectare qui a été touché. Et c'est arrivé à midi et quart. Tout d'un coup, il y a eu une grosse averse de grêle qui a traversé le village d'Épaisse, du lac en direction de la tour de Gourze. Et là, on a eu des vignes qui ont pratiquement été détruites à 80%. Les Calamins. Les Calamins, c'est la zone Calamins, puis bien sûr pour les autres, les Hautes-Épaisses. On a tout le claquement des cisailles, c'est que l'ouvrier travaille. On cisaille maintenant pour que le sulfatage qu'on fera mercredi soit efficace et arrive sur les feuilles du haut qui sont encore pas protégées, les dernières qui ont poussé. Et puis on sera prêt pour mettre les filets jeudi, filets contre les oiseaux.
Là, au passage, tu décolles. Couvre les souches, qui couvre au niveau des raisins, et puis il ne faut pas qu'ils touchent par terre à cause des animaux. Pas que des chats, des hérissons se prennent dedans. Alors il faudra les relever, faire le tour de toutes ces parcelles. On a posé des filets pour juste relever ces filets qui ne touchent pas par terre. Il y a tout là-dedans. Le climat et ses changements. L'humide, le chaud, les retours de froid, le trop mouillé, le trop de sécheresse, le trop de pluie ou pas assez, et trop précoce ou trop tardive, la grêle, les gelées, il y a tout. Fernando, moi j'y vais, hein. J'aimerais juste vous signaler une chose, puisque c'est moi. Bosser, ça. T'inquiète pas. Non mais ça c'est important. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi, mais évitez le genre de truc où vous planquez dans un camion pour boire des bouteilles, parce que ça passe très mal. C'est sûr, en fait. Mais rassurez-vous, et puis vous pourrez demander à la seule qui a été là pour le voir, c'est Marie-Noël. Non mais c'est important de savoir, moi ça m'intéresse. Une fois vous avez du chocolat français sur lequel il y a des images idoines. Ça pourrait être intéressant. Oui. Est-ce que là-dessus, il y a déjà la séparation qui est faite ou c'est nous qui la faisons? Non, c'est nous qui la faisons. Okay, c'est nous qui la faisons. Et donc, mais il y a tout qui est compris dans en convenu? Oui, oui. Parce que tout ça, là, c'est en convenu. Oui. Alors ça, voilà, parce qu'on change de parcelle, on peut mettre plusieurs cépages, si c'est la même parcelle, on peut mettre plusieurs cépages. Par contre, dès qu'on change de parcelle, même s'il y a 20 mètres d'écart, on doit de nouveau tout réinscrire. C'est le genre de choses qui me valse. Le numéro 1, cépage, c'est le pinot noir. Et voilà, on verra la quantité quand elle viendra, le sondage, quand on foulera. Il y a ce vin qu'il respire et il y a dedans ce qui est d'en bas, d'en dessous, là où se trouvent les racines.
et c'est à cause de ce qu'il y a dedans, toutes les choses qu'il y a dedans. Alors il prend ces choses l'une après l'autre, s'étant tourné vers vous sans rien dire, mais il vous regarde et on comprend. Il y a la terre là-dedans. On sait que le chasselas de notre région représente une grande diversité de goûts. Et on sait également que ces goûts sont liés au terroir, aux différents types de sols dans lesquels la vigne pousse. Alors là, on en a quatre qui vont marquer nettement quatre goûts différents dans notre assortiment. Et c'est ainsi qu'on voit il y a des terres sablonneuses, graveleuses, il y a des terres très argileuses qui représentent l'épaisse, il y a des terres beaucoup plus argileuses, on est presque à 90% d'argile, c'est, on pourrait presque faire de la poterie avec, c'est le calamin. Et puis dans les terres limoneuses, c'est le désalet où on a des terres vraiment limoneuses. C'est des caractéristiques qui sont très marquées, qui donnent des vins qui ont des goûts différents. À quelle époque cette machine est arrivée sur le marché? Ça, il y a 60 ans peut-être, peut-être plus. Venez, c'est vieux ça. Et vous faisiez ce geste combien de fois par jour? Oh ben, je l'ai fait 10 000 fois. On lui met 10 000 bouteilles un jour. Disons, du groupement de vignerons, ça commençait à Épers il y a 30 ans. Avant, le vigneron attendait gentiment que les clients viennent. Maintenant, eh bien, pour vendre du vin, il faut être présent, il faut faire des mailings, il faut écrire aux clients, il faut faire des réceptions, les inviter à déguster. Puis une année, on a vu un peu plus de Chinois, un peu plus de Japonais. Au moment de dégustation avec des Chinois ou des Japonais, on n'a encore pas. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qui les intéresse. Ils viennent ici, ils achètent une bouteille, mais c'est moins pour la boire que pour l'exposer comme un objet qu'ils ont acheté, comme un souvenir. Et puis là, on a quand même d'excellents crus avec les désalets, les calamins, les appellations traditionnelles du cœur de Lavaux, et puis des ailes aussi, qui sont aussi utiles, parfaitement utiles. Là, on a des possibilités, mais il faut faire connaître. Je suis souvent à la maison, donc souvent aussi pour les clients, je suis souvent à la maison. Donc c'est vrai que si des clients arrivent, c'est que les gens soient réceptionnés et pas uniquement par téléphone ou sur répondeur. Donc il m'arrive quelquefois de réceptionner des gens, de descendre à la cave, de les faire déguster. C'est peut-être pas la même chose qu'avec mon mari, mais en fait, voilà. Donc les gens aiment bien se renseigner et savoir aussi un petit peu comment marche une exploitation viticole. On a la chance d'avoir que les parents à Marc aient une maison située aussi dans un cadre idéal. Là, on a une vue qui est imprenable, il faut vraiment l'utiliser. Mon épouse qui a poussé, elle a dit qu'il faut faire ça. C'est un lieu qui permet d'accueillir du monde. Et de faire déguster les produits. En 91, pour fêter le 700e anniversaire de la Confédération, les milieux paysans ont décidé de
c'est l'Office de l'agriculture, je crois, qui a décidé de resserrer les relations ville-campagne et pour faire connaître un petit peu mieux les métiers de la terre, a proposé aux paysans, à la Bourse de l'agriculture, d'organiser le brunch. On va faire la 15e année. 15e année que nous faisons le brunch du 1er août. Walter, on le met là-bas. Tu le mets où? Sous la tonnelle. Tu veux absolument être sous la tonnelle. Ouais. Ben oui, sur 8. C'est pas vaisseau, hein? Non, moi je disais vaisseau 6 plus 2, un trou, quelqu'un ou 102. L'état d'ici, tu peux mettre n'importe qui. Voilà, ben allons-y. Comme ça. Je te laisse. Je vais imprimer des petits papiers. Je te laisse faire comme tu veux. Déjà pas mal de puissance, oui. Très ouais. Fruité. Il y a des tanins encore un tout petit peu secs, qui sont pas durs, des tanins, mais un tout petit peu secs. Mais ça passera d'ici dans le courant de l'année. Ouais. Au moins, on remarque pratiquement pas. Mais il y a un beau fruit. Hein. Ouais. Ouais. Alors, il est très bon. Malgré des conditions de temps qui sont restées moyennes, idéales pour nous, je dirais, à cause du fruit, parce que ça permet au fruit de ressortir. Mm-hmm. Il n'a pas fait trop chaud, on a encore assez d'acidité pour le fruit. Et le rouge, lui, a évolué très favorablement. Ouais, t'as charge d'âme pour rentrer. Voilà, ouais. Non. Alors, ça, c'est du 7. C'est le 7, donc c'est celui que vous avez. Et ils vont le 6. Chercher. Je prends un, après, j'irai ouvrir le deuxième là-bas. Mm-hmm. Chantal en a mis 3, donc vous voyez, vous partez pas avant qu'ils soient mangés. Chantal. Tu savais qu'elle s'appelait Chantal? Chantal. Oui, donc c'est ma femme. Hein. Le monde remontait les rues pour en admirer la décoration. Sous les guirlandes, sous les drapeaux, sous successivement chacun des 4 arcs de triomphe avec leurs devises, dont l'une dit « Rendez hommage aux vignerons, car c'est le vin qui fait l'union ». Une deuxième disait « La vie est courte et vous venez, et ce soir vous repartirez. Alors souvenez-vous de nous en vous retournant chez vous ». J'étais danseuse au Grand Théâtre de Genève. Donc imaginez une danseuse arriver dans un village. Déjà rien que le mot danseuse, disons c'est relativement bon, danseuse classique, donc il faut bien spécifier déjà. Et c'est vrai que dans un village tout c'est, donc dès qu'il y a une nouvelle personne qui apparaît, j'entends, c'est du bouche à oreille qui va très très vite. L'agréable, c'est qu'on côtoie les gens du village, on apprend à les connaître, on a un conseil communal, on a des projets. Donc ça, c'est quelque chose de fantastique. Et puis, comme mes enfants avaient l'air de me dire, de toute façon, maintenant on est grand, on arrive très bien à se débrouiller sans toi, je me suis dit, bah, c'est très bien, mon mari m'a dit, mais ne faites pas souci, lundi soir, c'est, parce qu'on a les séances le lundi soir, c'est moi qui ferai à manger. Ça fait 2 législatures que je fonctionne depuis 2 législatures. Il ne fait toujours pas à manger le lundi soir. On a fait beaucoup de projets avec Marc. On a fait beaucoup de,
beaucoup de choses. Et puis, mais il faut prendre le temps, il y a la manière, il faut réfléchir. Ils aiment bien savoir qu'on va poser les pieds. Non, ils ne partent pas comme ça à l'aveuglette. Hein. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui fonce. Mmh. Lui, serait plutôt quelqu'un qui freine. Donc, l'un dans l'autre, ça fait un bon mélange, ça va très bien. On a toujours réussi à s'entendre de ce côté-là. La terre et l'artiste, je pense, font très bon ménage ensemble. Ce sont deux... C'est très complémentaire. Du temps de mon père, de rester, on vendait par fust. Une fust faisait dans les 1000 à 1200 litres. On avait des clients qui venaient de QG, par exemple, un paysan qui avait un café. Il venait avec ses chevaux et sa fust. Il venait ramasser ça ou bien au printemps. Avec mon frère, on a commencé à faire des litres. On a vendu à différents bistrots, comme ça. On avait dans le temps, on avait un homme, M. Falsi, qui était secrétaire à la PJ à Lausanne. Au début, quand on a fait les bouteilles, il venait peut-être une quarantaine de policiers qui prenaient du vin chez nous. On mangeait la saucisse au café, on dégustait. Et je me rappelle, il venait avec chacun, au début, chacun la bouteille qu'il avait. Dans des caissettes, une poilette. Alors, après, oui, parce que le verre se reprenait. Hein? Oui, le verre se reprenait. Mais alors, il avait les bouteilles, puis il venait, il avait chacun leur caissette, mais un peu, ils arrivaient à faire un bon petit chêne, quoi qu'il y avait une caissette qui était tombée par terre, pareil. Alors après, nous, on allait livrer. On allait à Lausanne livrer dans les caves avec mon frère. On avait des haras, avec des bois. On prenait jusqu'à 66 bouteilles par haras entre les deux, descendant dans les caves. Livrer la marchandise. Puis mettre dans les casiers. Mettre dans les casiers, oui. À faire et ensuite à refaire. À construire et à reconstruire et à re-reconstruire, à entretenir, recimenter, faire que ça dure depuis 2000 ans peut-être que ça dure, mais ça n'aurait pas duré et ça ne durerait pas si on ne s'en était pas mêlé, si on ne rebâtissait pas tout le temps. Je dirais une belle période, c'est la période de plein hiver, en fait, où là, on est beaucoup plus libre, en fait, on n'a plus de pression. Ce sont surtout les murs qu'on peut faire à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de végétation. Et on peut nettoyer, enlever la mauvaise herbe qui pousse entre les pierres. Là, je remange à mon père, parce que tu as commencé à entretenir les murs. À un moment donné, c'était pas trop entretenu, mais quand je suis arrivé, on en a beaucoup refait. Oui, hein. Beaucoup. C'est un peu quand on a travaillé ensemble pendant 6 ans, 7 ans. Oui. Énormément de murs qui ont été retapés. Puis si un mur descend, si un mur tombe, ça peut arriver. Alors on peut peut-être pas forcément le remonter en été parce qu'on a d'autres travaux à faire. Il faut simplement empêcher la terre continuer à descendre. On couvre avec une bâche en plastique et puis on le remonte quand on a le temps, en automne, après les vendanges. Voilà. Le greffage, c'est un système qui a permis de sauver la viticulture européenne à la fin du 19e siècle. Il y a une maladie qui s'appelle le phylloxera, qui est arrivée des États-Unis, qui est arrivée par bateau avec de la marchandise. Et ce sont des insectes qui s'attaquent à la vigne. Pour sauver la viticulture européenne, quelqu'un a la brillante idée d'utiliser les plants américains pour faire la base du cep. Donc les racines seront protégées contre le phylloxera. Puis comme ce phylloxera attaque les vignes européennes, alors on met notre cépage, nos cépages européens, qui ont des caractéristiques gustatives nettement meilleures, on les greffe sur ces pieds américains. On découpe ces plants pour faire le pied de la souche. C'est ce qui se trouve ici. Et on coupe à peu près à 48 cm. Et c'est ce qu'on va mettre pour greffer avec le greffon de la vigne européenne. Alors ça, c'est la greffe de type Oméga.
l'appareil tout seul, au moment où il coupe, il y a une partie qui coupe la partie positive, et puis quand on met l'autre bois, la partie négative, et l'appareil bloque le greffon et l'emboîte tout seul. Voilà, alors, en fait, une fois qu'on a fait ce greffage, ici, et pour que ce soit bien protégé contre l'humidité, pour pas que les moisissures pénètrent, on va tremper dans la paraffine sur quelques centimètres afin d'assurer la protection de la tête de la souche. Une fois que ces plants ont été paraffinés, on les met dans une caisse avec de la sciure et de la sciure humide. C'est ce qui permettra de garder en vie les greffons. À partir de maintenant, on plantera ça, on plantera en terre, dans un pépinière cette année, et en pleine terre, en pleine vigne l'année prochaine. Donc en fait, on a une année d'épreuve, et c'est ce qui permet de sélectionner les bonnes souches qui vont redémarrer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Ces ficelles vont déterminer par croisement l'endroit exact où on va planter l'échalas. Alors, il s'agira simplement de le planter à la bonne profondeur pour qu'il soit planté à la même hauteur, que ce soit bien aligné. On le plante parfaitement verticalement. Alors avec l'habitude, il n'y a pas besoin d'avoir une jauge, d'avoir une règle jaugée. Avec l'habitude, on arrive à les planter assez droit. On prépare juste la base du pied pour que ça puisse partir. Mais le terrain est suffisamment aéré par les vers de terre qui ont fait leur travail et par les racines des plantes qui sont mortes. Cette année, ce sera la première feuille. L'année prochaine, la deuxième feuille, les racines vont se renforcer, les bois vont se renforcer. Et puis la troisième année, on aura les premiers raisins. On laissera à peu près un tiers de la récolte normale potentielle de la vigne. Jusqu'à maintenant, on a toujours planté du chasselas. D'abord du chasselas, puis après il y a eu du rouge qui a vu des années 50. Et puis on en est resté au pinot gamay, cépage traditionnel de la région. Et puis j'ai décidé il y a quelques années de planter de la syrah. Alors on a mis de la syrah et puis on a une barrique actuellement qui est pleine. Et je dois dire que c'est passionnant de suivre cette évolution. Moi je m'amuse comme un gamin qui découvre quelque chose à 60 ans. Parce que c'est quelque chose de nouveau. On va faire ce qu'on appelle le bâtonnage. Là. Comme ça, on a une à deux minutes pour remonter un petit peu ces lits, ces dépôts qui sont au fond du vase. Simplement par évaporation, mais comme on remet du vin de la même qualité, ça veut dire qu'on concentre aussi les arômes et le caractère du vin de 7 à 8%. Voilà. Hop, on va laisser goûter un petit moment comme ça. Comme ça, je peux préparer l'autre déjà. Si on veut rester à notre dimension, il faut qu'on arrive à sortir d'autres produits pour que les clients viennent chez nous, continuent à venir chez nous. On n'a pas tellement de possibilités de développement autre que la viticulture, mais c'est peut-être aussi un atout parce que ça, par rapport à l'image de marque de notre vignoble, les gens peuvent comprendre quand ils viennent ici pour chercher le vin, ils comprennent le travail qu'on effectue et puis ils voient la vue qui est incomparable. Donc ça, c'est quand même des atouts qui peuvent nous permettre, je pense, de faire passer le message et d'expliquer pourquoi nos vins sont peut-être plus chers que dans d'autres régions viticoles. À un moment donné, il faut arrêter. mais surveiller. Il a quand même toujours surveillé ce que je faisais. Hein? Ouais, moi, j'aime bien savoir. Des fois, on s'engueule un petit peu. J'aime bien savoir ce qui se passe. Ouais. Même que ça ne me regarde pas, mais je suis accouché encore dans le coup, quoi. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? Il a l'air de se péter quand je lui demande. Mais tu vois, on travaille. Donc, enfin, on a trois enfants. On a un garçon, Jacques, qui a 26 ans, qui lui, alors, est l'artiste aussi de la famille. Donc, il a peut-être hérité un petit peu de mon côté. Donc, il est diplômé d'École cantonale des arts.
une fille qui a 22 ans, alors lui, elle est plutôt, elle fait des études, hautes études sociales. Et puis Jean qui finit cet automne, qui a 20 ans et qui fait son diplôme et son CFC en viticulture et qui a l'intention de faire des études spécialisées à Changin encore pendant 2 années pour reprendre l'entreprise familiale. Quelle impression avez-vous aujourd'hui que votre petit-fils va suivre en somme la trace de son grand-père? Ah ben, je suis bien content qu'il le fasse. Il s'en intéresse. Ah, hein? Je dois donner des coups de main à la vigne avec mon père et puis pour quelques travaux, les vendanges surtout. Je fais un peu de greffage et puis c'est un des trucs qui m'intéresse. C'est pas vraiment par obligation comme ça, je sais que ça lui ferait plaisir que je reprenne, mais c'est aussi par envie. Je suis content qu'il continue, c'est sûr. Que le domaine reste dans la famille. Vignerons, chers amis, vous savez bien, cette terre, il faut d'abord avoir sué contre, avoir fumé contre, avoir pleuré contre, avoir juré contre, avoir gémi contre, lui avoir dit non plusieurs fois, l'avoir renié comme a fait Saint-Pierre. Et c'est parce qu'on l'aime. Et il y a certains jours où l'amour se retourne et où l'amour agit à rebours. Mais vous avez persévéré quand même, et alors tout vous est rendu.